Bonjour à tous, ici Aquagon. Aujourd'hui, on réagit au live de la version 2.8 de Genshin Impact qui a eu lieu hier. Alors oui, c'était hier, mais je le fais aujourd'hui parce que simplement, Ouyoverse a eu quelques problèmes de connexion, donc le live n'était pas fluide. Mais là, on a la rediffusion sur YouTube, donc ça va bien se passer. Et je tiens à préciser que je ne me suis absolument pas spoilé du tout de quoi que ce soit. Genre, tous les leaks, je les ai visqués, c'est tranquille. Welcome to the Genshin Impact version 2.8 special program. Ok, ça commence direct avec le trailer que je n'ai pas vu du coup, et ça c'est génial. Ah, c'est cool. Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? Oh, quel beau gosse quand même. Je vais invoquer sur lui. He was called away earlier by some people from the Tenryou Commission. They said they had something important to discuss with him. Ah. Since the Vision Hunt decree has been repealed, I no longer have any grounds to officially arrest him. Then again, I guess something very interesting is about to happen. Aizu est vraiment bien. Il a l'air vraiment, vraiment cool. Heureusement que c'est un 4 étoiles, je vais l'avoir rapidement comme ça. Puis vu que je farm pour Kazuha, je devrais avoir ses artefacts rapidement. Non, il a l'air cool. Oh, intéressant. Donc, quête d'histoire de Kazuha. Oh wesh! Wesh! C'est quoi ça? Mais de fuck? Quoi? Mais pourquoi il y a l'arc-en-ciel? Mais quoi? Là, il y a Mona, ok. Let's go, les gars. Les Summer Island. Putain. Ok, Summer Fantasia. Bon, c'était ok. Voilà, on a les codes que, évidemment, je n'ai pas pu mettre. Ok, let's go. Aizu. Détective Aizu. En vrai, il a l'air stylé de fou. Moi, je sais pas pourquoi, je surkiffe son card design. Beaucoup disent qu'il est simplé et tout. Moi, franchement, j'aime bien. Ouais, surtout, le type Anemo, j'aime beaucoup. Et le fait que ce soit un catalyseur qui se serve de ses points, je trouve ça très très bien. Du coup, oui, c'est le premier catalyseur mec du jeu. Aizu en team national, ça va être franchement fou, je pense. Hein. Parce que Sucrose, ça fonctionnait bien, donc j'imagine même pas Aizu. Oui, les gars, let's go. Kazuha qui vient en phase 1. Bon, heureusement, parce que j'aurais pas tenu l'attente, moi, personnellement. Mais putain, let's go. Et Kli, et après Yuumiya. Je sais pas si j'invoque sur Yuumiya. J'attendrai de voir les personnages de Sumeru. Même si j'ai vu qu'il y a des personnages de Sumeru qui ont leaké. Ah, suivant, nous avons. What the f... Oh, c'est beau quand même, la vache, c'est vachement beau. Donc on va quand même, je m'épose, hein, mais on va quand même avoir la quête d'histoire de Kazuha. Une escapade avec Aizu. Une nouvelle zone, qui est non permanente, mais quand même une nouvelle zone. Avec du coup des événements sur cette nouvelle zone. D'autres sous-événements, je suppose, ça va, la mise à jour va être juste insane. Et une fichelle gratuite. Ok, alors les îles ont l'air sympas. Je sais pas où est-ce qu'elles sont, si c'est une nouvelle map ou un truc comme ça, mais franchement ça va être cool. Oui, le nouveau skin de Fischl. Les gars, je ne l'ai pas vu. Ah, alors, qu'est-ce que... Wesh, attends, elle a changé de couleur de... Ses yeux, ils ont changé de couleur. Eh, ça, en vrai, ça va, hein. En vrai, j'aime bien si... The fuck. Les couleurs sont bien. Ça fait très vampire. Non, en vrai, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Encore un truc. Ah bah oui, du coup, le skin de Diluc, nouveau skin. En vrai, je sais pas, bof. Je trouve que ça fait un peu futuriste. Enfin, comparé à au monde de Genshin Impact. La coupe est vraiment bien. En vrai, j'aime pas. Je vais être honnête, j'aime pas. En fait, je préfère le Diluc normal. Vraiment chill. Le Diluc juste avec le manteau noir et tout, c'était mieux. La com de Genshin était vraiment insane. Mais bon, ça c'était il y a une semaine, hein, parce que maintenant, il y a tous les leaks, etc. Juste, franchement, je suis super... énervé et le fait que tous les liqueurs en fait t'es liqué simplement parce qu'en fait genre vraiment la hype de Genshin c'est vraiment un truc qui fait vivre le jeu. Là les gars, on a les personnages pour les trois prochaines mages. Alors moi ça m'énerve trop en fait. J'avais envie de découvrir un peu le style, surtout que le style indien tu vois de base c'est pas spécialement un truc auquel je m'intéressais.
Et là, quand j'ai vu quelques images de personnages, parce que oui, j'ai dit que je me suis pas spoilé, et c'est vrai, j'ai évité tous les spoils, mais il y a forcément, il y a des fois, quand je me balade sur YouTube, je vois des miniatures avec les nouveaux personnages, j'essaie de les esquiver simplement, mais juste les gars, le coup d'œil, hein. Et du coup, oui, j'ai vu des images de nouveaux personnages, et ils ont l'air vraiment stylés, je les ai pas vraiment analysés, mais ils ont l'air stylés de fou. Il y en a un en particulier plutôt que j'aimerais vraiment avoir, mais ça, on verra dans les prochaines mises à jour, hein. En attendant, oui, je suis vraiment énervé juste qu'il y ait autant de leaks, quoi. Parce que ça détruit en fait la com de Genshin. Et bah, c'était bien! Au revoir, Ouz! Bah, c'est pas fini. Vas-y, montre. Oh! C'est ça, mec! What the fuck? Oh, la musique! Oh! Mais c'est spécial! Ouais. Ah, je sais pas trop quoi en penser. Oh, je sais pas. Putain, non, par contre, les gars. Ça fait plaisir à voir quand même. Je sais pas. C'est. J'aime bien. Goodbye. Oh! Nouvel archon, les gars. Et du coup, oui, c'est une gamine. L'archon est une gamine. Une gamine qui, je crois, a 500 ans quand même. Mais c'est quand même une gamine. C'est la plus jeune, du coup, je crois, des archons. On va rester sur cette image de statue d'archon exceptionnelle. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ici, c'était Aquagon. Ciao!